De retour sur le plateau de ETV Service, oui, votre quotidienne préférée, on vous parle de tout. Et là, retour sur les cheveux, vous savez, le cheveu, c'est ma passion. Et bien sûr, vous, amis coiffeurs, restez connectés, prenez votre petit cahier, petit crayon, parce qu'on va vous donner des astuces. Oui, parce qu'on ne s'imagine pas, mais coiffeur, c'est un dur métier. Je sais qu'en Guadeloupe, vous adorez coiffer le cheveu, on adore le cheveu, vous n'êtes pas juste pas le seul. Et pour en parler, bien sûr, je reçois Ethnic Hair Academy, elle est de retour, Yannick Mirabel, bienvenue. Merci Stylie. Ça va? Très bien, merci beaucoup. Toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Parce que lorsqu'on est avec toi, tu expliques bien, tu parles bien, c'est clair, c'est net, c'est précis. On essaye en tout cas. Alors on rappelle bien sûr que tu étais en France, tu étais basé en France à la base, tu travaillais pour une célèbre marque, on ne va pas donner la marque bien entendu, mais tu es revenu afin de justement développer le secteur de la coiffure en Guadeloupe. Alors on va revenir juste avant que tu nous présentes le petit produit avec lequel tu es arrivé. Alors, est-ce que pour toi, justement, est-ce que tu sens cet amour justement pour la coiffure en Guadeloupe? Ah oui, totalement, totalement. Je crois qu'on a une culture très tournée vers le cheveu. Ouais. Donc aussi bien la femme et l'homme qui prend soin d'elle ou de lui que ceux qui procurent le bien-être capillaire. Il y a un vrai intérêt pour la coiffure et c'est pour ça aussi que je m'y investis à 300%. C'est important, bien sûr, comment prendre soin de nos cheveux. Petite technique. Au niveau de la profession même, c'est-à-dire au niveau des coiffeurs, est-ce que là aussi tu vois que c'est très développé, qu'il y a toujours cet amour? Parce que franchement, les coiffeurs, pour moi, ce sont des passionnés. Lorsqu'ils font une coupe, on a l'impression qu'ils réalisent une œuvre d'art, ils sont tellement contents. Justement, est-ce que tu vois qu'il y a de plus en plus de salons, de plus en plus de personnes qui veulent se former? Ça te... ouais. Alors, oui, il y a... C'est assez paradoxal. Ouais. C'est vrai que la coiffure, comme on se le disait, hein, c'est un métier de passionné, tu viens toi-même de le dire. On ne reste pas dans ce métier par hasard. Okay. Donc, il nous procure quand même une certaine satisfaction que d'accompagner des hommes, des femmes, dans leur style, dans leur look. Et la coupe en fait partie. Alors, c'est vrai que le coiffeur qui sait couper, qui sait réaliser des coupes, prend plaisir à le faire, prend plaisir aussi à réaliser la coiffure adaptée, développer les bonnes textures, etc. Mais bien souvent, il oublie un détail, un seul. Lequel? Ah ben, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de lui. Eh oui. Prendre soin de lui. Parce qu'on a l'impression, mine de vue de l'extérieur, que ce métier est quand même assez facile. Mm-hmm. C'est-à-dire que bon, il faut la technique, bien sûr. Mais bon, on est là la journée, on parle avec les gens, on discute, on échange. On a l'impression que c'est assez relaxant, mais pourtant, il y a des efforts qu'on fait qui sont sous-estimés. Et puis, il y a des mots qui apparaissent chez le coiffeur qui sont assez sous-estimés. Exactement. Alors, c'est vrai que c'est un métier qui demande beaucoup d'empathie. Ouais. Et au-delà de l'empathie, également beaucoup d'altruisme. Donc, l'altruisme, hein, on a tendance à s'oublier un tout petit peu au profit de la cliente. Et voilà. Sur une journée de coiffeur, c'est une journée de sportif. Parce que c'est un métier d'endurance. Okay. C'est un métier d'endurance physique, mais c'est aussi un métier d'endurance psychologique. Faut être à 300% avec chacun de ses clients. Ouais. Ça demande une exigence vraiment impressionnante. Et un coiffeur vous dira, j'ai passé une super journée quand il a eu un bon nombre de clients à coiffer, mais une fois couché dans son lit, ouf. Donc, c'est le ouf, ouf, c'est fini. Je suis satisfait pleinement de ma journée, mais physiquement, comment je vais? Voilà. Ça, c'est la question. Comment je me sens? Et le coiffeur a tendance à taire certains mots, M-A-U-X, qu'il subit, hein, très clairement. Et c'est un petit peu ce dont je suis venue parler avec toi aujourd'hui. Exactement, parce que juste avant, parce que vous verrez, mais restez connectés, surtout vous, amis coiffeurs, on va vous présenter un produit, mais extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. On va parler justement des mots, donc M-A-U-X. Donc, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais on parlait de ça hors antenne. Donc, le coiffeur peut avoir mal au dos, mal aux épaules, mal aux genoux. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi? Alors en fait, en tant qu'être humain, peu importe le métier qu'on pratique, le fait de le pratiquer de manière répétitive, on a tendance à développer certaines postures pour compenser des gênes ou des douleurs qu'on peut avoir. Dans le métier de coiffeur, c'est un métier qui demande à être en station debout,
du matin au soir. Très peu de coiffeurs s'asseyent. Et le coiffeur, au cours de sa journée, quand il commence à être un petit peu fatigué, il va compenser. Ouais. On entend par compensation, ben, j'ai mal au genou gauche, je vais plus m'appuyer sur le genou droit. J'ai mal à l'épaule droite, et ben, je vais essayer de compenser en équilibrant avec mon épaule gauche. Et ainsi de suite. Donc, en fait, on déséquilibre en fait l'ossature, ouais. Et ensuite on déséquilibre tout toute sa chaîne musculaire et on crée des problèmes. Alors parce qu'on s'en rend pas compte, parce qu'il y a les ciseaux de base, les ciseaux, donc il y a deux petits ronds pour mettre ses doigts, je pense que je ne vous apprends rien, et donc toute la journée à force de répéter le même mouvement, mm-hmm. Donc ça donne déjà mal aux mains, oui. Canal carpien, tout à fait. Qui va monter au coude, exact. Qui va monter à l'épaule et qui va monter à la nuque. Alors voilà, mesdames et mesdames, surtout vous, coiffeurs, je pense que vous voulez savoir, mais comment éviter toutes ces douleurs? Ben, Ethnicare a une solution. Elle va vous montrer un produit tout de suite. Mais franchement, appelez au téléphone. Ami coiffeur, tu me dis que t'as mal au dos et de compagnie, machin. Eh bien, écoutez, on va vous montrer une paire de ciseaux. Vous allez halluciner. La paire de ciseaux. Déjà, est-ce que tu peux nous la présenter? Alors, il s'agit d'une paire de ciseaux ergonomiques qu'on appelle les ciseaux Extend. Extend de son nom, Extension End. Donc, on est vraiment dans le prolongement, en fait, de son bras. Et cette paire de ciseaux est sans anneau, ce qui va venir impliquer une posture des doigts différente de celle que nous connaissons jusqu'alors et un positionnement de la main qui va être également totalement différent. Ce qui va permettre, en fait, de décompenser la problématique des coudes levés quand on coupe avec les ciseaux à anneaux et nous permettre de réaliser tous les travaux de coupe, aussi bien les dégradés, pour vous messieurs, les coupes afro avec de longues lames, les coupes au doigt, les slicing, les coupes glissées, etc. Donc on est sur une paire de ciseaux avec des lames japonaises qui va aider clairement à limiter tout ce qu'on appelle troubles musculosquelettiques, c'est tous les troubles que tu as cités tout à l'heure. Mais on a l'impression que c'est très difficile à tenir en fait, parce qu'il y a pas du tout. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui tient le pouce. Ben, le pouce est bien installé. Il a sa fonction de mobilité et on travaille uniquement avec la première phalange. Voilà. Et s'agissant de la position des droits, on est totalement sur une position de décompensation. Cette paire de ciseaux a été conçue par un ergonome français. D'accord. C'est une paire de ciseaux qui est vendue à travers le monde entier par une maison qui s'appelle Pivot Point, qui est en fait une grande maison dans la e-pédagogie, donc dans l'intelligence pédagogique. Okay. Et donc, le ciseau ne fait pas tout. Il faut la formation pour utiliser le ciseau. Et nous, ce que nous proposons à Ethnicare, c'est un pack donc de formation en coupe, sur des coupes innovantes et des coupes actuelles, hein, tendance, associée à la manipulation de la paire de ciseaux, donc qui vient vraiment amener une compétence en ergonomie auprès de 100% des coiffeurs, car 100% des coiffeurs sont concernés par les troubles musculosquelettiques. Et donc ça soulage... Ça soulage énormément le coiffeur. Et ça parce qu'en fait, il y a des réflexes qu'on n'a pas, c'est-à-dire monter les épaules, comme tu disais, peut-être se tenir, compenser une mauvaise... En fait, là, on reste droit, bien, en équilibre, et il suffit de... Et on fait nos réalisations de coupe, comme on l'a toujours fait, sauf qu'on va avoir des postures différentes. D'accord. Avec cette paire de ciseaux, relâché, oui, on est tout de suite plus relâché, d'accord. Parce qu'on n'a pas la tension des épaules montées pour pouvoir faire nos coupes. Voilà. Et lors de cette formation, on parle bien sûr de l'ergonomie au sens large. Ouais. On a la mise en pratique des coupes avec l'utilisation de la paire de ciseaux. Mais également, on fait un peu le point sur tout le champ des postures qu'on a tendance à adopter et qu'il faille corriger. Okay. Donc on est sur un vrai plan d'action complet avec tous les coiffeurs qui nous font confiance. Au moment où on se parle, on a formé 6 coiffeurs confirmés, donc des gens qui ont plus d'une dizaine d'années de profession. Ah quand même, donc oui, totalement, totalement. Donc des professionnels quand même. Des professionnels aguerris et avertis. Et qui en sont ressortis ravis. Alors, on ne va pas se mentir, ça demande une adaptation.
Ah oui. Et la remontée qu'ils nous ont faite, c'est on est content de repartir à l'issue de cette formation avec de nouvelles compétences en ergonomie et une meilleure prise de conscience de soi. Ok. Et nous sommes totalement dans l'ère du bien-être au travail. Donc, tout à fait. Avec de vrais savoir-faire en bien-être au travail. Maintenant, par souci de rapidité, quelquefois, elles ont tendance à mettre le ciseau ergonomique dans le tiroir. Voilà. Et elles disent non, on se fait violence quelquefois de revenir vers ce matériel dans lequel on a investi. Ouais. Pour justement, en fait, éviter de retomber dans les travers d'avant. Donc, il y a une véritable prise de conscience, mais derrière, nous, à Ethnicar Academy, on se propose d'accompagner, en fait, nos stagiaires. Et c'est une formation qui dure 2 jours, okay. Plus une journée de suivi au bout de 3 à 6 semaines à l'issue de la formation. Et on arrive à prendre le produit vraiment en main au bout de combien de temps? Au bout des 3 jours, c'est bon ou il faut quand même... Au bout des 48... Au bout des 14 heures, pardon, de formation. Au bout des 14 heures de formation, vous êtes totalement okay. En mesure de réaliser une coupe complète. Avec cette paire de ciseaux. Donc, à l'œil, il paraît très compliqué à manier, mais au final, apparemment, après la formation de Ethnicar, c'est extrêmement rapide. Ok, d'accord. En prise en main, il y a juste un moment d'inconfort, mais la formation est là pour ça, pour justement éviter que vous ayez ces moments d'inconfort trop pénibles face à la clientèle. L'avantage aussi de l'outil en soi, hein, c'est que ça crée un échange avec la cliente ou le client. Parce que l'outil est surprenant, mais de voir son coiffeur savoir l'utiliser, ça crée en fait un dialogue différent. Et ça incite aussi le coiffeur à parler de son mieux-être au travail également. Okay. Voilà. Est-ce que par rapport à ça, il peut aller aussi plus vite dans la coupe ou le temps de coupe reste le... Alors, le but de la formation, c'est justement d'acquérir des méthodes pour permettre d'aller plus vite. Ok, c'est voilà. Bien, ça. Donc, l'outil n'est pas là pour permettre d'aller plus vite, c'est la formation dans son ensemble qui va faciliter en fait la vélocité, la rapidité du coiffeur. Et il y a un petit travail personnel, bien sûr, qui est de ne pas lâcher sa paire de ciseaux. Une fois qu'on l'a adoptée, il faut la conserver. Il ne faut pas revenir à l'ancien modèle. Voilà, parce que c'est comme ça en fait que vous allez gagner en vélocité, en rapidité et en aisance. D'accord. Alors si on veut s'inscrire à cette formation, parce que là je suppose qu'il y a énormément de coiffeurs en train de regarder, c'est une passion ici, je suppose qu'eux aussi, ils ont plusieurs mots, épaules, cou. Comment fait-on pour s'inscrire? Est-ce qu'on s'inscrit en ligne? Est-ce qu'on doit vous appeler? Est-ce qu'on se déplace chez Ethnicar? Comment ça se passe? Et quelles sont les dates des prochaines formations? Alors en fait, nous ce qu'on propose, les prochaines formations imminentes auront lieu les 2 prochains lundi, mardi du mois de décembre. D'accord. Donc 2 et 3 décembre et 9 et 10 décembre. Ok. Voilà, donc tout coiffeur intéressé, concerné, qu'il n'hésite pas à rentrer en contact avec nous, soit via notre adresse email, contact@ethnicaracademy.fr, soit par téléphone sur le fixe au 05 90 83 13 13. Voilà, de toute façon, on va réafficher toutes les adresses et tous les réseaux sociaux à la fin de l'émission. Mais en tout cas, ça peut être, en plus, il y a un petit diamant. C'est magnifique. C'est beau. On ne vous l'a pas montré, mais il y a un petit diamant sur le... Voilà. Elles sont personnalisables. Elles sont personnalisables. De la couleur que vous souhaitez, de la longueur de lame que vous souhaitez, ça va du 4,5 au 7,5 pour, je pense, aux hommes qui font les coupes sur cheveux afro, qui ont besoin de longues lames. Que vous dire de plus? Tout est personnalisable, en fait. Voilà, le coloris, donc... le diams, qu'on appelle le charms. Le charms. Eh oui, donc encore une fois, une seule adresse, Ethnicar Academy, si vous voulez cette formation. Bien sûr, ça va vous soulager, amis coiffeurs. On pense à vous parce qu'on sait que vous travaillez énormément et il faut un petit peu vous soulager. Justement, est-ce qu'il y a des conseils que Ethnicar peut donner là à nos téléspectateurs pour justement se relaxer le soir après une journée de travail totalement difficile? On a mal aux épaules, mal partout. Est-ce que voilà, il y a des petites techniques de relaxation? Alors en formation, on le voit sur la première demi-journée. Donc comme on se disait tout à l'heure, on a 2 jours de formation, la première demi-journée centrée autour de l'ergonomie et de la posture. Et ce qu'on préconise aux coiffeurs, c'est d'adopter des techniques de détente et de réveil musculaire le matin.
Okay. Voilà, pour justement se mettre en axe, parce qu'on s'est dit tout à l'heure que le métier de coiffeur était un métier qui sollicitait énormément le corps et ça invite du coup à prendre et à adopter des techniques de sportifs. Ouais, donc l'échauffement est important, on apprend ça en formation. Et le soir, effectivement, pour se détendre, eh bien, tout simplement réadopter certaines techniques de détente musculaire. Et puis, on ne va pas se le cacher, hein, il y a un petit temps de méditation, de détente, de respiration aussi, qui aide énormément à se relâcher pour identifier les points de tension qu'on peut avoir et travailler dessus au fil du temps. Exactement, et ça c'est valable même si vous n'êtes pas coiffeur. Exactement. Le matin, le réveil corporel, le réveil musculaire, les amis, faites-moi confiance, ça vous donne un petit coup de boost pour toute la journée. Totalement. Après vous êtes pimpant. Alors on va juste rappeler encore une fois, parce que la formation, donc c'est début décembre bien sûr, Ethnic Air Academy, n'hésitez pas à prendre contact. Donc on va redonner les adresses, les réseaux sociaux et le numéro de téléphone. Donc le numéro de téléphone 05 90 83 13 13, l'adresse mail contact@ethnicairacademy.fr. Nous vous attendons. Alors, le nombre de places est limité. Nous ne prenons pas plus de 6 à 10 stagiaires maximum. OK. Voilà, pour être en petit comité et travailler de manière qualitative et efficace. Alors, n'hésitez pas, juste après la fin de l'émission, appelez, inscrivez-vous, parce que vous verrez, les places vont partir comme des petits pains. Merci d'être passé sur le plateau. Merci, ce fut un plaisir de découvrir ce modèle. Honnêtement, on va juste le remontrer aux téléspectateurs. Oui, qui viennent tout juste d'arriver. Le voilà, il est G, il est stylé, il a tout. Il est beau, regardez-moi ça. Bien entendu, c'est pour vous, amis coiffeurs, la nouvelle paire qui va vous relaxer un petit peu et qui va vous soulager lors de vos coupes. Merci encore une fois. On se retrouve bientôt parce que je sens que vous avez plein de choses à nous apprendre. Et encore une fois, le cheveu, c'est ma passion. Merci, nous, Stiley. Mais on se retrouve très vite, bien sûr. Nouvelle invitée, l'émission est loin d'être terminée. Mais ça, c'est après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.